Parle-moi un petit peu, Pierre. 1, 2, 3, voici mon frère François. 4, 5, 6, voilà ma sœur Alice. Parfait. Bonjour les enfants, nous sommes dans un champ. Ihan, ihan, mon Dieu, une âne. T'as déjà fait des tests de micro, je connais. OK. C'est mon chum hollandais, il apprenait le français comme ça. 1, 2, 3, voici mon frère François. C'est juste, des fois, je me dis, quand nous autres, on était jeunes, tu sais, il y a du monde qui se sont occupés de nous autres, qui se sont occupés de venir nous parler, de nous expliquer, de nous déniaiser. Fait que là, je me dis, bon, ça, là, c'est moi qui ai rendu vieux, tu sais, c'est à notre tour à faire notre bout, tu sais. Puis, des fois, même quand je trouve ça fatigant, il y a un côté qui me fait plaisir aussi de sortir de Montréal. Puis de, tu sais, souvent dans nos vies, on est toujours dans les mêmes petits sentiers. On est comme des lapins. On est dans le même sentier. Puis là, ça permet de sortir du sentier. Puis moi, j'aime aussi, j'aime profondément le Québec. Et moi, j'aime ça. Puis de sortir, ça me fait du bien. Je vois d'autres sortes de monde, d'autres paysages. Tu sais, ça, moi, le Québec, j'aime ça physiquement, tu sais, d'aller au Saguenay en hiver, j'aime ça, de voir la neige, les montagnes. Là, tu sais, je pense, j'ai... Il me semble, dans toutes les fois où je suis venu dans le bas du fleuve ou en Gaspésie, tu sais, je pense que j'étais jamais venu au printemps. Là, j'aimais bien les petites montagnes là, dans le bout du Bic, là, tu sais, c'est beau, le fleuve. Moi, ça me met de bonne humeur. Souvent, les jeunes, ils me remercient. « Ah, merci, M. Falardeau, d'être venu. » Mais ils ne savent pas qu'eux autres, ils te donnent quelque chose. Ils te donnent quelque chose sans le savoir. Non? Ils te donnent leur enthousiasme, leur jeunesse. Fait que ça, je pense que ça empêche de développer trop de cynisme. Le cynisme du monde de notre âge. Fait que moi, ça me fait du bien. Au-delà du mal de dos de chauffer 5 ans. Était venu à l'université à un moment donné, puis c'est ça, il nous avait parlé de la langue. Tu sais, je me rappelle cette fois-là, il parlait des mots qu'on avait francisés. Tu sais, il parlait du déclos. Il dit le déclos, c'est la cargaison que tu mets sur le pont du bateau. Ça venait de deck, load. Fait que ça, je me disais, ah, c'est le fun, on peut franciser les mots, tu sais, comme Bécosse qui vient de Bacchus. Mais je sais pas, Perrault, il était bien bon là-dedans, dans la langue. Je sais pas, moi, je sais pas pourquoi ça m'a intéressé, tu sais. Mais avec Miron aussi, plus tard, j'ai eu ce genre de discussion-là sur les mots. C'est un peu vers la... Quand je travaillais sur 15 février, j'avais demandé à Gaston Miron de m'aider dans les dialogues, juste pour revoir... placer des vieux mots français ou tout ça. Puis, des fois, j'allais travailler chez Miron, tu sais, puis Miron, il était bien éparpillé, puis il était bien... Il partait sur toutes sortes d'affaires, tu sais. Ça faisait 2 minutes qu'on était dans le scénario, il était rendu dans d'autres choses, tu sais, puis là, il parlait de la littérature. Puis, moi, ça me faisait chier, tu sais, sur le coup, parce que je disais, ouais, mais mon scénario... Puis après ça, je me disais, mais oui, mais là, je suis en train d'avoir un cours gratis de littérature de Gaston Miron, tu sais. Femme d'autre ailleurs. Fait que j'écoutais ça, puis je me rappelle Gaston, il m'avait fait découvrir des vieux dictionnaires du parler français, le clapin, puis des affaires comme ça, dans lesquelles il y a toutes sortes de mots, comme par exemple, il y avait le mot arbre pour un arbre. C'est moi, quand j'étais jeune en campagne, le monde disait un arbre. C'est là que tout le monde disait, ah, il ne faut pas dire arbre, il faut dire arbre, ce n'est pas joli.
Là, tu t'apprends que ça vient de France, c'est dans le patois, je ne sais pas, ça venait de Normandie, ou de, que ça fait partie de la langue. Il y avait le mot graffiné. C'est ça, en radio, il ne faut pas dire graffiné, il faut dire égratigné. Là, il disait, ça vient de... C'est très français, graffiné, c'est dans Rabelais. Là, tu disais, mais on parle bien. On parle très, très, très bien. Donc, c'est ça, des fois, ces vieux-là, ils... C'est ça, ces vieux-là nous ont réveillés. Il faut transmettre le peu qu'on a appris. Si ça peut servir. C'est pour ça souvent aussi, tu sais, quand les gens Radio-Canada, tu sais, disent « Ouais, mais tout ça, c'est fini, l'indépendance, ça n'intéresse plus personne. » Tu dis « Mais là, sortez de vos bureaux. » Dis-moi, ça fait depuis 92, je pense que je fais le tour du Québec pour parler de ça, tu sais, puis je vois dans les écoles, puis je parle à 200-300 jeunes, tu sais, puis... Ils m'envoient pas chier, ils disent pas, hey, le vieux, dégage, c'est très, oh, oh, mon oncle. Ils écoutent ce que j'ai à dire, puis ils ont l'air à. Ils saisissent de quoi je parle. Je me sens jamais off. Jamais, jamais, jamais. Puis des fois, tu sais, des fois, je croise du monde sur la rue à Montréal. Tu sais, des fois, il y a des punks avec les cheveux roses, tu sais, avec des anneaux dans les oreilles, dans le nez, puis. Je les regarde, les voix s'en vont. As-tu vu le tata? Là, le gars, il dit, ah, monsieur Falardeau, j'ai lu votre livre, c'est magnifique. Et tu dis, bon. Aïe, il est préjugé. Oui, oui, c'est ça. Des fois, ça m'arrive, c'est ça, ça m'arrive assez souvent de voir des fois, tu vois, les gros tarts sur le Harley Davidson. Tu dis, as-tu vu le monon? Le gars, il dit, ah, monsieur Falardeau, j'adore vos films. Tu dis, bon. C'est drôle de rejoindre, c'est ça, toutes sortes de monde. Hein. Puis c'est ça le pet, hein? C'est toutes sortes de monde. L'autre jour, je jasais avec lui, on parlait de un acteur noir américain dans Glory. C'était son premier rôle, le gars qui a fait Mohamed Ali et tout ça. Washington. Oui. Denzel Washington dans Glory. Tu sais, à un moment donné, il y a une séquence où il se fait fouetter, puis il enlève sa chemise. C'est un ancien esclave, il a déjà été fouetté des fois. Puis là, la caméra va. Tu es juste en gros plan sur sa gueule, puis il fait rien. Il serre les lèvres. Puis ça dure une minute, puis ça finit avec une larme. Tu dis, quel acteur, quel. Tu sais, le réalisateur en même temps, lui aussi. La caméra, elle va là. Tu ne montres pas le fouettage, tout ça. Des fois, c'est ça, Luc, il est ce genre-là aussi. Tu sais, c'est ce genre d'acteur-là que ça fait plaisir à tourner. Puis des fois, moi, ce que j'aime, c'est ça, j'aime quand j'arrive par des petites affaires, tu sais, à passer. Tu dis, un gars qui joue de la flûte, c'est un gars qui mange du pain, un gars qui... Tu sais, bon, dans les ordres, tu sais, quand le gars, il y a une séquence, le gars, il mange un chip, tu sais, puis tu brailles, c'est fantastique. C'est ça, je rêve à chaque fois de réussir ça, tu sais. Tu rêves que ça va marcher. Tu sais, ça, c'est parti de, il y a déjà quelques années... Mon ami Francis Simard a commencé à s'intéresser à l'histoire militaire. Je ne sais pas pourquoi. Mais il est tombé à un moment donné, il s'est aperçu que dans la Deuxième Guerre mondiale, je n'ai pas le chiffre exact, je ne sais pas si c'est 50 000 ou 25 000, il y a eu, disons, les chiffres ne sont peut-être pas exacts, mais disons 50 000 volontaires québécois dans l'armée. Et lui, il disait, mais on parle de ça nulle part. Tout ce qui est resté dans notre imaginaire de la Deuxième Guerre, c'est que les Québécois, on a refusé d'aller se battre, d'aller à la conscription. Mais il dit, il y a 25 000 gars qui sont allés volontaires, donc il y a quelque chose là. Puis, quand Francis est arrivé avec ça,
il allait à l'inverse de toute la pensée, de toute l'idéologie nationaliste. Au début, mais qu'est-ce qui te prend? On va pas se mettre à fêter l'armée canadienne, calice. Mais lui, c'était pas l'armée canadienne, c'était les Québécois. Il dit, on était pas des lâches, on s'est battus. Puis mon ami, il m'a raconté l'histoire de, je sais pas quoi, de Pierre Sévigny, qui s'est battu dans un régiment d'artillerie avec des Polonais dans la poche de falaise, Deuxième Guerre mondiale. La poche de falaise, il y avait 100 000 Allemands encerclés, il fallait qu'ils sortent. La seule place où ça sortait, c'était à falaise. Puis il y avait Sévigny, les Québécois, puis les Polonais qui tenaient la place. Puis ils sont quasiment tous morts, il ne reste plus d'obus. Tu sais, il dit, c'est comme... C'est des histoires... Il me dit, personne ne parle de ça. Parce que Sévigny, c'est un ministre fédéral. Tu sais, de... Mais il dit, c'est des Québécois aussi. Il a changé beaucoup la mentalité, notre vision des choses là-dessus. De sorte qu'aujourd'hui, même la Société Saint-Jean-Baptiste, le 11 novembre, ils reconnaissent la part des soldats québécois. Ils les laissent pas aux Canadiens. Fait que c'est ça, c'est un peu pour ça, à un moment donné, que j'ai pensé faire un film de guerre. Puis par hasard, je sais pas, j'étais tombé sur un roman de... Je sais pas si c'est par hasard, en tout cas. J'ai un roman de Dorgelès, hein, qui s'appelle « Les Croix de bois ». C'est un livre sur la Première Guerre mondiale. Et puis, dans le livre, à un moment donné, il y a une petite histoire qui tient en quelques pages... des soldats français qui doivent occuper une position, puis les Allemands creusent une mine dessous pour la faire exploser, puis les gars, ils attendent que ça pète ou que ça pète pas. Puis je suis parti de ça, je me suis dit, merde, ils vont mettre des Québécois dans... Ils vont faire un film sur des soldats québécois en 1918 dans les tranchées du nord de la France. Puis un peu en travaillant sur tout, en lisant sur la Première Guerre mondiale, tu sais, t'apprends que ça a été une guerre horrible, hein, que le monde, en même temps, tout le monde dit on vivait comme des robineux, tu sais, dans la boue, le froid, la pluie, les rats, les poux. Tu sais, le monde, des fois, c'était les poux, là, c'est tellement écœurant. Là, tu sais, même c'était plus dangereux que les Allemands, tu sais. Là, puis tu lis ça, puis ça fait qu'en creusant, t'apprends toutes sortes d'affaires sur la Première Guerre mondiale, des fois sur les armes, sur des... Moi j'aime les détails, j'aime les petites affaires. Fait que là, je me suis construit un peloton de soldats québécois. Le personnage principal, il s'appelle Simard. Il était jardinier pour M. Molson à Métis. Un gars qui vient des boules. Il y a un autre gars que j'ai pris, il vient des îles de la Madeleine, c'est un pêcheur. Lui, toute sa vie, il va être fourré par la Gordon Pugh, les compagnies de Zarzay qui exploitaient le monde. J'ai mis un gars qui vient du... qui était bûcheron pour les Price Brothers au Saguenay. J'ai mis deux gars qui ont participé à la grève de Buckingham dans la Lièvre. Une grève où c'était les McLaren Brothers qui... En tout cas, j'ai conçu tout ça, puis j'ai mis là-dedans comme un jeune... Un jeune intellectuel, un gars qui était prêt à finir son cours classique, puis qui décide de s'engager pour le kick. Puis lui, ben, il découvre le Québec en étant là, puis comme il est l'intellectuel, mais j'ai pas fait une caricature d'intellectuel, j'ai fait un intellectuel qui s'intéresse au monde, puis qui dit « Ah, oh, ça marche là-bas, là! » Ah, tabarnak, ils vous payaient pas en argent, les arzans. Ah, ils vous payaient avec des pitons. Les pitons sont échangés. En tout cas, j'ai essayé de faire de ce film-là, hein, de mettre tout ça ensemble, d'en faire un film où il y a le plus de stock possible. C'est pour ça que, présentement, c'est un peu épeurant, parce que la première version, il y a
il y a tout, ça déborde, il y en a trop. Mais, tu sais, j'ai pas voulu rien jeter, dans, tu sais, je voulais pas rien oublier. Là, je vais leur prendre, puis je vais jeter ce qui est trop. Tu sais, peut-être, c'est à mon avis, le monde, ils peuvent pas en prendre plus que qu'ils peuvent, tu sais. Mais, puis ben, tu sais, je sais pas si tout le monde est comme ça. Il y a des fois, on doute de soi, d'autres fois, on se trouve extraordinairement intelligent. Tu sais, moi, des fois, je regarde ce film-là de l'extérieur, puis je me dis, ça peut donner un très, 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 très grand film de guerre. Puis pas juste de, nous, de l'histoire du monde. Tu sais, si j'ai un peu de talent, ça peut donner un crisse de grand film. Tu sais, parce qu'en même temps, tu t'aperçois, il n'y a pas tant que ça des grands chefs-d'œuvre. De, tu sais, il y a peut-être Les Sentiers de la gloire, il y a peut-être. Bon, il y a des affaires comme Platoon, il y a des affaires comme Full Metal Jacket. Tu sais, bon, il y a quelques grands films de guerre, mais. Que je me disais, bon, peut-être que je pourrais en rajouter un dans ceux-là, de ce calibre-là. C'est un peu baveux, mais c'est le feeling que j'ai. Que ça pourrait, au-delà de moi, que ça pourrait donner quelque chose de bien.